Qu'est-ce que j'ai faim? J'ai pas beaucoup d'argent, hein. Les prix sont affichés sur la carte. Hey, 5 euros. Hey, 3,50 euros. Ah, 7 euros. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes sûr que c'est important de parler à vos abonnés parce que là, je dois me dépêcher. Il y a d'autres clients qui m'attendent. Évidemment que c'est important. Je ne peux rien faire sans demander l'avis de mes abonnés. C'est comme ça, hein. La table 10 a fini de manger. Ils ont réglé en espèces, ça fait beaucoup d'argent, dis donc, combien? 50, 100, 150, 100, 200, 250... Ah, les amis, vous êtes là! Les amis, je travaille dans un restaurant comme serveuse, c'est mon job d'été. Vous savez, c'est les vacances, il n'y a pas d'école. Donc à la place de rester à la maison et s'ennuyer, moi je travaille. Et ici, on gagne de super pourboires. Mais ça c'est pas pour moi, hein. Ne pensez pas que tout ça c'est pour moi. Ouais, je pense que je vais mettre dans la caisse maintenant. Ah mais attendez, il y a une nouvelle cliente. Bonjour mademoiselle, je suis Verity, votre serveuse. Je ne vous ai jamais vue ici, qu'est-ce qui vous amène? Je suis sûre que vous avez faim. Je suis venue dans ce restaurant parce que sur Instagram, les photos étaient absolument magnifiques. Waouh, tout le monde était super bien habillé et super heureux. Instagram, oh non, c'est une Instagrammeuse. Et d'ailleurs, la lumière ici est parfaite. C'est parfaite pour un selfie. Et pourquoi pas mettre à jour ma story? Coucou les amis, oui, là je suis dans le restaurant le plus tendance de la ville. Oh bah non, je vais pas passer la journée ici pendant qu'elle prend des photos. Regardez ce verre, comment il est clair et parfait pour boire une boisson. J'ai pas de boisson dedans. Mademoiselle, votre verre est vide parce que vous n'avez pas encore commandé à boire. C'est pas grave. Les amis, moi je la connais même pas. C'est qui cette Instagrammeuse? Oh my god, il y a trop de photos super cool actuellement. Oh wow, je like tout ça. Oh non, le serveur arrive. Oh non, je n'ai même pas fait le choix. Ah, attends, je regarde la carte. Je vous laisse encore 5 minutes pour regarder la carte et faire votre choix. A tout à l'heure, mademoiselle. A few minutes later. Bon, mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers à boire? À boire? Il y a tout le monde de choix. Est-ce que ça vous dérange si je passe un petit message à mes abonnés sur Insta? Et comme ça, je leur demande leur avis. Quoi? Maintenant, les Instagrammeuses demandent l'avis de ses abonnés avant de commander? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je prends du coca, un jus d'orange ou bien un verre d'eau? Un instant, j'attends la réponse. Vous êtes sûr que c'est important de parler à vos abonnés parce que là, je vais me dépêcher, il y a d'autres clients qui m'attendent? Évidemment que c'est important. Je ne peux rien faire sans demander l'avis de mes abonnés. C'est comme ça, hein. Oh, super, il y a des réponses. Les amis, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'Instagrammeuses qui viennent dans notre restaurant. Le problème, c'est qu'elles font des photos, mais elles commandent rien du tout. Elles viennent ici pour profiter de la lumière. Et nous, on gagne rien. Donc, ce qu'on va faire pour la faire fuir, c'est éteindre la lumière. Oh, vous allez voir, on va bien s'amuser. Ok, une personne vote pour du coca. Deux ont voté pour du jus d'orange. Trois. Deux. Un. Quoi? Oh non, je ne peux pas me voir sans la lumière. Oh non, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ce restaurant est censé avoir la meilleure lumière. Oh, désolé les abonnés, je ne peux pas vous voir actuellement. Oh, la lumière, s'il vous plaît. Les amis, si vous aimez bien aller au restaurant avec votre famille, allez, c'est un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Je ne sais même pas ce que je fais ici, hein. Je n'aime même pas les restaurants. Ils ne savent pas faire la cuisine. Je suis la meilleure qui fait la cuisine. Mais bon, ma famille m'a demandé de venir. Donc je suis là au restaurant. Ah, oh, pourquoi j'agite comme ça? Je pense que c'est cette chaise. Elle n'est pas du tout confortable. Serveur, est-ce que vous avez une autre chaise là? Madame, j'ai entendu qu'il y avait un problème. Voici un coussin pour vous. Ah, merci, merci, oh.
les restaurants, tu au restaurant, la moustique vient ping ping ping, ça te mange partout. Il y a une clim ici, donc il n'y a pas de moustique. Mais... Ah, c'est ici la carte. Oh, d'accord. Vous avez beaucoup de choix, hein. La soupe, il y a même des entrées. Et les spéciales du chef. C'est même qui le chef? Est-ce que c'est pas Nafisi Tatou là? Parce que si c'est Nafisi Tatou qui fait la cuisine aujourd'hui, je ne mange pas. La dernière fois que j'étais allée chez elle, elle nous a fait un poulet genre là. Madame, je vous assure qu'en cuisine, nous avons un chef étoilé. Hein? Ah, c'est un chef étoilé? Étoile de quoi? Le ciel l'a descendu, on lui a donné les étoiles. Étoilé, c'est-à-dire diplômé. Ah, oui, je suis aussi chef étoilé, non? Oh, quand je fais mon couscous là, les étoiles brillent partout. Comment vous donnez seulement les verres verts là? Tout est vide. Hein? J'ai soif, non? Peut-être vous voulez commander de l'eau plate pour commencer. Quoi? Il faut commander même l'eau? Oui, madame, c'est payant, c'est sur la carte. Lui, payant? Aïe! L'eau qui tombe du ciel quand il pleut là, il faut payer. Aïe! Et le jus si? C'est aussi payant? Oui, madame, c'est un restaurant familial décoré avec des jus. C'est la décoration! On décore déjà les restaurants avec les jus. Aïe! Mamie. Oui, madame, c'est un restaurant familial décoré avec des jus. Et c'est comme ça depuis plus de 100 ans. Alors, je vous apporte de l'eau plate, madame? Non, je ne vais pas commander l'eau. Pour moi, c'est bizarre. Je ne peux pas acheter l'eau qui tombe du ciel, là. Vous avez quoi d'autre? Je peux vous proposer du Sprite, du Coca, du jus d'orange. Il n'y a rien ici qui est gratuit. J'ai pas beaucoup d'argent, hein. Malheureusement, non, madame. Et les prix sont affichés sur la carte. Hein? Les prix sont là. Hey! 5 euros. Oui! 3,50 €. 7 euros. Hey! Serveur! Je pense que vous vous êtes trompé, hein. Non, je vais vous donner les vrais prix. Je connais les prix, je vais au supermarché chaque jour. Madame, on marchande pas les boissons. Désolée, mais il y a un prix fixe et on peut pas y changer. Celui-ci là, je pense que c'est pas 7 euros, hein. C'est plutôt 2,25 €. Fais-moi le prix, non, 2,25 €. Non, madame, je suis désolée, mais je peux pas faire ça. Quoi? On ne peut pas modifier les prix de la carte. Les amis, c'est quoi votre restaurant préféré? Dites-moi dans les commentaires. Ça fait du bien de sortir de chez soi et d'être au restaurant. Mais est-ce que ce restaurant est super propre? Est-ce que c'est hygiénique? Est-ce que je ne vais pas tomber malade? Oh, bon. Je vais inspecter les verres. Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est beaucoup mieux. Madame, est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Merci. Quand on est au restaurant, il faut jamais montrer au serveur que on n'est pas à l'aise et qu'on trouve le restaurant dégueulasse. J'avais lu ça dans le guide Comment manger au restaurant. Et les autres tables à côté, qu'est-ce qu'ils ont commandé? De la volaille? Qu'est-ce que c'est ça? Une dorade? Du poisson? Et là-bas? Oh! Une salade lyonnaise! Et là-bas? Une pizza margarita. Oh, mais tout le monde a commandé des plats différents. Je ne sais pas quoi choisir. Quand je vais au restaurant, je ne regarde jamais le menu. J'inspecte les plats des autres. Et comme ça, je suis sûre de tomber sur quelque chose de délicieux.
Madame, est-ce que tout va bien? Oui, le menu est excellent. D'ailleurs, je trouve ce serveur un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il mange, ce petit garçon? Un burger. Oh, ah, il le mange très bien. Apparemment, le burger est délicieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un burger. Mais à l'intérieur, il y a trop de choses différentes. Il y a des salades, du fromage, des sauces, de la viande et du pain. Non, il faut être prudent. Il y a trop de choses là-dedans. Non, il faut quelque chose de beaucoup plus simple. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Du spaghetti bolognaise. Oui, pourquoi pas. Alors, madame, le menu vous plaît? Oui, serveur, je suis prête à commander. Je prends volontiers des spaghettis bolognaise. Ah, désolée, madame, il n'y a plus de spaghettis bolognaise. Pardon? C'est terminé? Regardez les autres plats. De regarder encore sur la carte? Oh, d'accord, merci. Oui, donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Oh là là! Aujourd'hui, le restaurant est plein de clients, carrément. Et tout le monde veut des spaghettis bolognaise. Donc demain, j'augmente le prix des spaghettis bolognaise. Ça sera le double, on va faire fortune. J'ai loupé les spaghettis bolognaise. J'ai aucune chance. Les amis, est-ce que vous aimez bien manger des spaghettis bolognaise? Parce que ici, c'est très populaire. Donc si vous aimez bien manger des spaghettis bolognaise comme moi, laissez des méga pouces bleus maintenant. Pouces bleus. J'ai faim. Oh, heureusement que je suis arrivée au restaurant. Mais je ne trouve pas qu'il y a assez de place ici. Oh, mon ventre est énorme. Madame, je vois que vous avez un cadeau dans le ventre. Oh. Oui. Je suis enceinte. Je vais bientôt accoucher. Bientôt? Wow. Puisque vous mangez pour deux, vous allez commander un gros repas. Oui, je veux beaucoup manger. Bon, je vais juste faire une autre table et pendant ce temps, consultez la carte. Ah, vous allez... D'accord, pas de soucis. Je peux patienter, je regarde la carte. Ah, oh, j'ai soif. Qu'est-ce que c'est ça? Du jus? Mais c'est une décoration. J'hallucine? Ou bien cette dame enceinte est en train de manger des décorations? Les feuilles. Oh, c'est des feuilles partout. On dirait de la salade. Elle mange les feuilles d'une plante? Madame, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi le jus décoratif est sur votre table? Mais vous l'avez ouvert! Non, je n'ai rien fait! Je sais pas, j'ai trouvé ce jus comme ça. Oui, j'ai rien touché moi. Mais je vous ai vu manger les feuilles de la plante. Des feuilles? Des feuilles! je regarde la carte. Des feuilles. Bon les amis, je vais pas trop m'énerver parce qu'elle a un cadeau dans le ventre et les dames enceintes font souvent des choses bizarres. J'ai faim moi. Y a quoi d'autre à manger ici? C'est quoi ça? Ça a l'air bon. Si j'ouvrais... Madame, s'il vous plaît, n'ouvrez pas ce pot. C'est un pot décoratif. Ah non. J'admirais vos décorations.
Oh, c'est joli. Oh, c'est pas juste. Quand on est enceinte, on a envie de tout manger. Tout a l'air délicieux. Oh, même tes macarons. Macaron, c'est une affiche. Non, en fait, c'est tombé et je voulais le remettre. Oui, voilà. Oui, d'accord, madame, mais patientez et arrêtez de manger les choses autour de vous. D'accord. Non, oui. Désolée, je suis désolée. J'ai juste très faim. Quand on est enceinte, on a super faim. Essayez d'avoir un bébé qui n'arrête pas de réclamer à manger dans le ventre. Je suis désolée. Les amis, il y a plein de gens qui viennent fêter leur anniversaire dans notre restaurant. Est-ce que vous avez déjà fêté un anniversaire dans un restaurant? Si c'est oui, laissez un méga pouce bleu. Pouce bleu. Coucou. Eh oui, c'est mon anniversaire. Oui. Alors, quel âge as-tu, mademoiselle? J'ai 16 ans aujourd'hui. Ah oui, je fête ça ici au restaurant, chez vous, parce que je sais que vous aimez bien les anniversaires comme moi. Je suis la princesse licorne du jour, donc je veux des paillettes partout. Oui, on vous souhaite un joyeux anniversaire, mais on peut pas mettre des paillettes partout. Hein? Vous n'avez... Non. Je suis désolée, mademoiselle, mais on peut pas changer la déco. Quoi? Vous n'allez pas décorer la salle? Mais c'est mon anniversaire! Attendez. Je vais vous aider. Parce que je sais que vous voulez célébrer mon anniversaire comme moi. Vous comprenez que c'est très important. Donc, on peut quand même mettre ceci. Regardez comment c'est superbe. Oh oui, on peut décorer le restaurant. Comme ça, tout le monde saurait que c'est mon anniversaire. Regarde. Joyeux anniversaire. Chante avec moi. Oh non, je dois chanter maintenant. Oh, j'aime pas ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, princesse licorne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, princesse licorne qui a 16 ans. Joyeux anniversaire. Je suis désolée, mademoiselle, mais là, faut baisser le son complètement. Hein? Il y a d'autres personnes dans le restaurant. Faut se calmer. Il faut se calmer? Oh oui. Oh oui, évidemment qu'il y a d'autres personnes au restaurant. Mais c'est pas grave, ils sont tous invités à ma fête. Wouhou. Regardez, j'ai même des cadeaux pour moi. Est-ce que vous pouvez me donner ça à la fin de mon repas? Comme ça je vais l'ouvrir, c'est un cadeau surprise. Oh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un cadeau d'anniversaire. Quoi? Elle a préparé son cadeau d'anniversaire? Mais c'est pas une surprise alors. Oui, et il me faut un gâteau, un super gâteau d'anniversaire bien sûr. Oui, y a pas de problème, vous pouvez commander un gâteau en dessert. Et aussi, à la fin, est-ce qu'on peut faire exploser ce feu d'artifice? Mais non, mademoiselle, on peut pas faire péter des feux d'artifice dans le restaurant. C'est très dangereux. Vous ne faites pas exploser les feux d'artifice à l'intérieur du restaurant? Non, pas du tout. Oh, mais, s'il vous plaît, faites une exception. Non. Pas d'explosion dans le restaurant. Parce que ça risque de tourner en ruine. Je n'aurai que 16 ans une seule fois. Je suis déçue. C'est terrible. Non, ne soyez pas triste. On vous offre le gâteau d'anniversaire comme dessert. Mais vous pouvez m'offrir le dessert d'anniversaire? Oh, qu'est-ce que...
vous aurez un cupcake rose. C'est délicieux. Avec une grosse bougie qui étincelle, juste pour vous. Un cupcake rose? Oh! Avec une bougie qui étincelle. Oh! D'accord, vous êtes pardonnés. Oh! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. De vous revoir ce soir. Est-ce que vous êtes accompagnée? Je suis venue manger ici ce soir parce que c'est ici que j'ai mangé pour la première fois avec l'amour de ma vie, Philippe. Oh non, son amoureux l'a quittée. Elle a le cœur brisé. Oh, j'ai même apporté ce pull qui l'appartient. Ah mais là c'est bizarre, elle a porté son pull. Oh, il a rompu avec moi, c'est pas juste, je l'aimais tellement. Mais il a dit qu'il pensait qu'on devrait juste être amis. Oh mais elle est triste, mais je peux pas passer la journée ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Bon ok, je vais lui proposer des entrées. Madame, est-ce que vous voulez une entrée? Non, je veux pas d'entrée. Oh, c'est une autre chanson. Oui. C'est ça leur chanson? Bizarre, ok. On aimait trop cette chanson. Madame, voulez-vous des mouchoirs? Oui, volontiers, j'aimerais bien un mouchoir. Ah, fini. Merci. Non, gardez, c'est pour vous. Oh, vous voulez que je le garde? Ah, merci. Oui, volontiers, donnez-moi toute la boîte dans ce cas-là. Il me manque tellement. Madame, est-ce que vous avez regardé le menu? Il faut quand même regarder le menu. Oh, oui, je vais regarder le menu. Ah, la salade. Sa couleur préférée, c'était le vert. Et qu'est-ce qu'il y a? Le plat du jour, c'est quoi? De la volaille et du riz complet. De la volaille et du riz. Ah! Il adorait la ferme. Ah! Il aimait bien aller en campagne en week-end. Philippe! Est-ce que je peux vous servir à boire? Oui, j'aimerais bien boire. Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons du coca pétillant très frais. Oh, le coca! Il avait un chien marron comme le coca. Fini. Les amis, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Dites-moi quelle est votre cliente préférée dans les commentaires. Au revoir les copains et les copines. Si vous avez bien aimé notre vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Et si vous aimez bien nos vidéos, n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne et regarder plein d'autres vidéos. Au revoir mes kitties. Miaou.